火曜シャクショーロンベリタンジェナータイスメシグラベナマシュチェタニャマノビスタムスタピタムジェナブタレスワヤムルパカダマヤムダダティスワムパダムティカムHe Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira Devrindavaneshwari Vrichabanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devaya Priyaya Keshava Sacha.Krishna Bhakti Prati Devi Satyavate Namo Namaha Vanshakalpa Tarubhyaccha Kripa Sindhubhyayavaccha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde.Nous devons toujours avoir une délicatesse spéciale, une humeur particulière pour recevoir les invités du Seigneur. Car Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il est dans le cœur de chaque être vivant. Ishvara Sarvabhutanam. Et lorsqu'une personne...a acquis dans ses vies passées de la sukriti, des actes pieux. Alors, le Seigneur l'invite dans sa demeure. Alors, on pourrait se dire, mais tout est sa demeure, puisqu'il explique dans la Bhagavad Gita, « Aham savasya prabhava », tout émane de lui. En fait, le Seigneur explique aussi, « Sarvasyam sevishto », qu'il est le souvenir et l'oubli.Qu'il se révèle ou qu'il se cache. Et comme tout ce qui touche au Seigneur suprême
est absolu. Son nom, ses attributs, sa forme, ses divertissements, qui comprend sa demeure et ses associés. Quand le Seigneur se cache, tout son entourage se cache. Qu'est-ce qui reste à l'être vivant? La pensée, c'est « je suis ce corps, je suis matière ». Et que femmes, enfants, richesses sont ma raison de vivre. Mais en réalité, Krishna explique que l'âme, elle n'a rien à voir avec cette situation. Elle est non-née. Elle n'a jamais eu de début, elle n'a jamais eu de fin. Elle est éternelle. Alors on pourrait se poser cette question, pourquoi si on est éternel, on s'identifie à quelque chose de temporaire? Pourquoi on pleure pour un mort? Pourquoi on se réjouit pour une naissance? On pourrait se poser ces questions. Comment c'est possible, si je suis éternel, que je puisse pleurer, que je puisse me réjouir, que je puisse m'attacher à quelque chose qui n'a rien à voir avec ma condition éternelle? Simplement parce que le Seigneur nous permet d'avoir une indépendance, nous permet d'avoir un libre arbitre, puisque l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. On ne pourrait pas par nous-mêmes créer quelque chose, établir quelque chose dans ce monde. C'est parce que le Seigneur nous permet. Et je dirais même plus, il nous donne l'intelligence. Quand par exemple, une personne écrit une chanson, l'auteur s'identifie comme le succès de la chanson. Oui, c'est moi qui ai écrit. Par contre, quand ce n'est pas un succès, on évite de le dire. C'est toi qui as écrit? Oh non. Et quand succès, bah, bien sûr. Mais un dévot du Seigneur, il comprend que cette intelligence, elle lui est donnée par le Seigneur suprême. La différence entre l'activité matérielle et l'activité dévotionnelle, c'est simplement qu'on voit qui nous donne. Et l'autre, on pense que ça vient de nulle part, que c'est nous-mêmes qui avons un acquis. C'est la seule différence qu'il y a. Il y a également une différence, c'est qu'au niveau de la loi du karma, quand on comprend qui nous donne l'intelligence, on se libère de toute conséquence matérielle. Notre activité n'a plus de réaction dans ce monde. Alors que quand on pense qu'on est l'auteur de l'action, on génère une réaction dans ce monde et on doit en prendre les fruits. Sous la forme d'attachement, sous la forme de peur, sous la forme de chaud, de froid, de gloire, de défaite. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, les premiers enseignements qu'il donne à Arjuna, c'est de sortir de cette condition et d'agir en comprenant qu'il est l'âme et qu'il a une relation éternelle avec lui. C'est pas que Krishna ait dit de renoncer à avoir une famille, avoir des enfants et gagner de l'argent. C'est pas ça que Krishna nous enseigne. On a le droit d'être un musicien. On a le droit de prendre soin du corps. Mais en comprenant notre relation avec le Seigneur suprême. Par exemple, prenons la vie d'un être humain en général. C'est que s'il se prend pour Dieu, ça veut dire qu'il pense que Dieu n'a pas d'existence, ça veut dire que s'il n'a pas de relation avec Dieu, il se prend pour le contrôleur de sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un royaume.
Finalement, si nous observons notre vie, notre maison, c'est notre royaume. Pour le mari, sa femme, c'est sa reine. Et ses descendants, les enfants. Il y a les amis, etc. Mais il y a aussi les ennemis. Il y a des intérêts financiers, etc., etc., etc. Il y a une sorte de politique qui est là. Ça, c'est pour la vie matérielle. La vie spirituelle, elle est différente. C'est qu'on ne conçoit pas que rien n'appartient au Seigneur suprême. Tout est son énergie. L'énergie matérielle, qui est constituée de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther, par exemple, de mental, d'intelligence, de faux ego. Hein, il y a 24 éléments matériels. Hein. Tout appartient au Seigneur suprême. Donc, qu'est-ce que fait un dévot dans sa vie? Simplement, il accepte les objets d'essence, les objets matériels, pour servir le Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il achète une maison, mais pour lui. Il accepte une femme pour le servir. Il accepte des enfants pour le servir. Et naturellement, cette vie, elle n'engendre aucune réaction. Parce que quand un chef de famille va travailler, il travaille pour maintenir le foyer du Seigneur suprême. Et la vie devient parfaite. Elle ne peut pas être parfaite autrement. Parce qu'elle va générer des souffrances. Quand l'homme et la femme simplement pensent de devenir heureux dans ce monde, ça engendre une illusion énorme. Kama isha kudacha la jaguna sambud bhava. Kama, la concupiscence. Et la concupiscence, simplement, c'est que chacun va vouloir son bonheur. Alors on veut un bonheur ensemble, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est que finalement, on peut à un moment dans la vie de couple, si on se voit moins, bah, développer une tendance pour telle chose, et l'autre personne, elle n'a pas forcément cette même tendance, et on va avoir des conflits qui vont graduellement venir. Les téléphones portables, il faut les fermer hein, dans la salle de temple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer de ces conflits, finalement ? C'est qu'on va avoir une disharmonie. Il va se créer, en fait, dans la vie d'un couple, une vie de concession, simplement. Et c'est très difficile de rester ensemble quand on vit comme ça. C'est pour ça que tous les couples, beaucoup de couples, se séparent aujourd'hui. Alors que quand on met Dieu au milieu du couple, et qu'on devient des amis pour aller vers Dieu, vers la réalisation spirituelle, alors le Seigneur donne l'intelligence pour comprendre au mari et à la femme qu'ils sont simplement dans toutes les situations raccordés pour le plaisir de Dieu. Il n'y a pas de jalousie. Simplement, on est heureux qu'une personne progresse. Et quand un des deux dans le couple a un problème, rencontre un obstacle, simplement la femme ou l'homme viennent comme un émissaire du Seigneur pour aider une personne à progresser. Donc il y a la libération. Alors que dans le cas de la vie matérielle, on s'attache de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et finalement, quand la mort vient, c'est une souffrance illimitée. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle offre un moyen à l'être vivant d'être satisfait. Pourquoi ? Parce que quand on est connecté au Seigneur suprême, le Seigneur donne l'intelligence pour comprendre la situation. Parce qu'il est dans le cœur de chaque chose. Alors que quand on est déconnecté du Seigneur suprême, il y a des moments dans la vie, c'est des grandes, grandes sources de souffrance. Par exemple, quelqu'un peut être un homme d'affaires, mais quand ses affaires tombent à l'eau, alors sa vie, elle est comme détruite. Il se dit, mais comment je vais pouvoir maintenir ma famille ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et on peut entrer véritablement dans des situations extrêmement difficiles. Alors que quand on est relié au Seigneur suprême, on obtient l'intelligence. Même quand les choses nous échappent,
on voit la miséricorde de pouvoir obtenir plus le Seigneur suprême. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce que l'argent fait le bonheur? On a tous essayé. Et par contre, si vous allez en Inde, vous avez des sadhus, des gens qui n'ont rien, qui sont des ascètes, mais parce qu'ils ont une vie spirituelle intérieure et qu'ils goûtent la félicité, alors ils sont pleinement satisfaits. Vous pouvez leur proposer de l'argent. La plus haute position, ils n'en voudront pas. Parce qu'ils ne voudront pas quitter cette plateforme où le bonheur vient de l'intérieur. Parce que quand le bonheur vient de l'intérieur, ce n'est pas un petit bonheur. La relation avec Dieu, ce n'est pas un petit bonheur. Parce que Dieu est illimité, Ananda. Donc, la relation avec le Seigneur donne la félicité. Et une félicité qui ne peut pas être arrêtée par des choses externes. Alors que notre bonheur qu'on goûte, elle peut être très bien, le bonheur externe, il peut être très bien arrêté par un accident, par tellement de choses. Alors que quand vous servez le Seigneur suprême et que cette relation se manifeste dans le cœur, peu importe qu'un élément soit enlevé ou pas. Parce que vous voyez que vous êtes l'âme et pas le corps. Vous voyez que la femme, elle est l'âme, que les enfants sont l'âme, que l'arbre, c'est l'âme qui donne la vie, que dans le chien, c'est l'âme qui donne la vie, et que le Seigneur accompagne tous les êtres vivants. Donc vous sortez de la conception que quelque chose vous appartient. Vous êtes simplement dans une situation où vous servez la vérité absolue. Et elle est dans votre vie. Et ça, c'est la chose, c'est la meilleure richesse. Vous savez, Bhaktivinoda Swami Prabhupada disait, satisfaire une âme conditionnée, c'est impossible. Satisfaire un enfant, c'est impossible. Toutes les mères, elles savent. Dès que l'enfant, il a quelque chose, il veut autre chose. Dès qu'il a autre chose, il faut donner autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. C'est impossible. Et en plus, à la fin, souvent, il va se rappeler des tout petites choses que vous lui avez faites. Ah là, ouais, je me rappelle, maman, papa, quand même, c'était pas cool. Et ils ont donné toute leur vie pour vous, mais vous allez vous rappeler des tout petits moments, parce que c'est la nature humaine. Quand on est dans l'ignorance ou la passion, on ne se rappelle pas des belles choses, souvent. Il faut de la vertu pour pardonner. Il faut de la vertu pour être reconnaissant. Pour comprendre ce que les autres ont fait pour nous. Et bien de la même manière, le Seigneur nous accompagne vie après vie. Il fait tous les arrangements pour que nous revenions vers lui. Donc quand on se rappelle de cette relation avec Dieu par la pratique du service de dévotion, automatiquement, on devient reconnaissant par celui qui nous a accompagnés, pas dans une vie, mais dans des milliards d'existences. Et vous comprenez que c'est lui qui vous avait donné un père, une mère, des enfants, la richesse et même la souffrance. Parce que la souffrance, elle est importante pour se souvenir de lui. Parce que s'il n'y avait que du bonheur, on reviendrait jamais au Seigneur suprême. C'est pourquoi le monde matériel, il y a du bonheur, pas trop, mais il y a aussi de la souffrance. Parce que quelqu'un qui est pieux, il prie. Madhvacharya, il dit quelqu'un qui a une nature impie, quand il est testé dans la vie, il développe plus de colère. On voit, hein, il y a des gens très matérialistes, quand ils n'ont pas d'argent, ils deviennent racistes. Ah, ils m'ont pris mon argent. Ils viennent en France pour me prendre mon argent. Ils n'en auraient pas plus. Hein. Mais il faut une cause. Le problème, il ne peut pas devenir de nous, de nos activités passées, parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont peut-être été riches dans la vie passée, mais ils ont mal profité de leur richesse, donc dans la vie prochaine, le Seigneur les rend pauvres, parce que l'argent, ça nous a enlevé l'intelligence. C'est ça la loi du karma. Si dans cette vie, vous utilisez mal les choses, on vous les enlèvera. Si vous avez un enfant, et que quelque chose lui fait du mal, est-ce que vous allez lui donner?
Jnanavas, je te pose cette question. Si tu as un enfant et quelque chose lui fait du mal, est-ce que tu vas continuer à lui donner? N'importe quel être avec de l'amour pourrait comprendre ça. Maintenant, si on prend notre situation en tant qu'âme conditionnée, on n'agit pas parfaitement. Parce qu'on est une âme conditionnée. On est un peu comme un enfant qui veut aller dans une direction sans comprendre qu'il va peut-être se faire du mal, mais il ne comprend pas. Donc le Père, lui, nous accompagne, le Père suprême. C'est normal que si il nous donne quelque chose, on l'utilise mal, c'est normal qu'il va nous l'enlever après pour pas qu'on recommence la même chose. Pourquoi ? Parce que la situation, elle ne pourra pas être propice à un lien d'amour. Or, ceux qui n'ont pas assez de piété, qu'ils n'ont pas assez de piété, ils ne peuvent pas comprendre tout de suite que la situation est favorable. Mais ils doivent en avoir quand même un petit peu. S'ils en ont un petit peu, ils peuvent quand même prier Dieu. C'est ce qu'on appelle le karma kanda, l'action intéressée. Ça veut dire qu'ils prient le Seigneur suprême pour avoir des biens matériels. Mais il y a une relation qui s'établit, comme un enfant qui voit son père comme le porte-monnaie. Eh papa, il n'est jamais vraiment avec le père. C'est juste pour demander l'argent. Il y a des enfants qui sont comme ça, et il y en a beaucoup. Tant que le père donne, le père est sympa. Le jouet, il ne donne plus, il le rejette. Vrai ou pas ? Et bien de la même manière, le Seigneur va donner des biens matériels. Parce que de cette manière-là, les gens, quand ils reçoivent de Dieu, alors ils remercient Dieu. Leur foi en Dieu augmente. Mais ça, c'est des gens qui ont une toute petite piété. Quand des êtres ont plus de piété, ce n'est pas des biens matériels qu'ils veulent. C'est une relation d'amour avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Vaishnavas. Les Vaishnavas ne sont pas intéressés à avoir une belle maison. Ils ne sont pas intéressés à la gloire. Ils sont intéressés à une seule chose, c'est l'amour. Prême. Parce qu'ils savent que c'est la seule chose qui va combler l'âme. Parce que c'est la seule chose qui attire le Seigneur suprême. Bhaktamam abhijanati. C'est la seule chose qui attire le Seigneur suprême. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? L'amour, ça veut dire se donner, s'abandonner, donner son cœur et après agir. Donc si on veut comprendre notre relation avec le Seigneur suprême, on doit faire nos activités, mais pour lui, avec amour. Les mêmes activités. Vous pouvez tout faire pour lui. Tout. Il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas faire. Vous pouvez servir votre famille pour lui, gagner de l'argent pour lui, avoir une belle voiture pour lui, mais c'est sa propriété. C'est comme si vous avez un père riche et vous êtes son enfant. Vous bénéficiez de tout, mais ce n'est pas à vous. Bhaktivinoda Swami Prabhupada disait, si vous prenez un centime, vous tombez dans l'illusion de voir que quelque chose est séparé du Seigneur suprême. Et à partir de là, ça grandit, ça grandit, ça grandit, jusqu'au moment où vous voulez égaler le Seigneur suprême. Mais ça, c'est l'illusion. Et le Seigneur devient caché. Il devient caché. Donc, le seul moyen de rétablir un lien, c'est de changer la nature de notre vie. Essayez. Rien que vos clés, pensez que c'est la demeure du Seigneur. Ouvrez votre demeure en pensant à ça, vous allez ressentir de la félicité. Il faut avoir de la conscience. Parce que depuis longtemps, on a été des voleurs. Depuis longtemps, on a pris la propriété du Seigneur. Et à cause de ça, on est devenu recouvert par l'énergie matérielle, Maya. Si simplement vous prenez la clé en comprenant que c'est la maison de votre Seigneur et que vous l'ouvrez,
vous ressentirez de la félicité. Vous sentirez que toute la demeure, elle a changé de nature. Et si vous touchez les murs, vous allez ressentir de la félicité. Parce que le problème, c'est qu'on vit comme des animaux sans conscience. On pourrait être avec Dieu, on pourrait véritablement être relié à l'amour 24 heures sur 24, dans toutes les situations, parce qu'il est partout. Mais on vit sans conscience comme l'animal. L'animal, quand il va dans un lieu, il ne pense pas. Il ne pense pas à Dieu. Quand il mange, il ne pense pas avec sa relation avec Dieu. Il vit par instinct. On vit par instinct. On est attiré, alors on y va. Il n'y a pas de discrimination. En Occident, les femmes et les hommes s'unissent comme ça, sans discrimination, par exemple. Donc, on doit absolument inviter la conscience en nous. Et l'âme est consciente. C'est la nature de l'âme d'être consciente. Donc, c'est dans nos gestes quotidiens qu'on va pouvoir réaliser Dieu. C'est pas en venant au temple une fois par semaine ou une fois par jour ou deux fois par jour qu'on va réaliser Dieu. C'est qu'on doit venir au temple pour comprendre comment se relier à Dieu et on doit appliquer dans notre vie 24 heures sur 24 pour naturellement être avec lui. Si on est avec lui, il n'y aura pas de divorce. Parce qu'on ne cherchera pas à exploiter la femme et l'homme pour notre propre plaisir. Les gens, pourquoi ils divorcent maintenant? Parce qu'ils veulent juste de la vie sexuelle. Si la femme ne leur donne pas de vie sexuelle, ils divorcent. Ils appellent ça de l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. Ça ne peut pas être l'amour. Donc pourquoi les gens n'arrivent pas à être ensemble toute leur vie? C'est parce qu'ils ne comprennent pas leur nature. Ils sont l'âme, pas le corps. Et quand ils comprennent qu'ils sont l'âme, ils ont la conscience que leur nature, c'est d'être relié à l'âme suprême. Et naturellement, ils deviennent satisfaits. Peu importe s'il y a la gloire, peu importe qu'il y a la défaite, peu importe qu'ils soient riches, peu importe qu'ils soient pauvres, c'est pas ça qui fait la qualité de la vie. Maintenant, dans l'âge de Cali, les gens, s'ils ont un bon emploi, ils pensent qu'ils ont réussi. Qu'ils ont réussi quoi? C'est comme un chien qu'on met un beau manteau. C'est un chien de troisième classe, soit de luxe. On l'amène à l'hôtel, il mange, mais il n'a pas conscience. Hein. Il a juste un truc, mais il ne sait pas ce que c'est. On doit véritablement comprendre qui nous sommes. Parce qu'au moment de la mort, au moment de la mort, ce sont nos pensées qu'on a eues qui seront la destinée qu'on aura dans notre vie prochaine. L'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Donc on va aller où si on a une vie sans conscience? Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit celui qui meurt dans l'ignorance, c'est une vie d'animal qu'il a. Il doit prendre les résultats de ses actes et après vivre comme un animal. Parce qu'il voulait manger, par exemple, comme un tigre, de la chair. Tuer des animaux, les faire souffrir, par exemple. Donc, l'être humain, il n'est pas fait pour ça. Parce qu'il est sujet à la loi du karma, l'être humain, pas l'animal. Donc, si quelqu'un veut vivre par instinct, le Seigneur lui donne alors un corps d'animal. Ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver. Parce qu'il y a des lois. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes tout puissant. Ça ne touchera pas. Non, parce que la maladie va venir. Vous ne pouvez pas enlever la maladie. La mort viendra. Vous ne pouvez pas enlever la mort. Par contre, le Seigneur vous donne un moyen pour faire de votre vie quelque chose de merveilleux. Peu importe que vous soyez un ascète ou peu importe que vous soyez un chef de famille, ce n'est pas ça le problème. C'est de la manière qu'on emploie les choses. L'activité matérielle enchaîne.
L'activité offerte au Seigneur Vishnu libère. C'est pourquoi on peut faire la même chose. Par exemple, l'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas avoir une relation dans ce monde. C'est simplement parce que le Seigneur est dans le cœur et entre le cœur des êtres vivants que les êtres peuvent relationner entre eux. Pourquoi enlever le Seigneur suprême ? On devrait relationner avec les êtres, avec lui. On pourrait aimer tellement plus. On pourrait ressentir une si grande félicité. Regardez par exemple, nous on est occidentaux. Moi je me rappelle quand j'allais en Inde, au début, les Indiens, parce qu'on allait dans des endroits qui étaient pauvres, ils ne comprenaient pas pourquoi on avait délaissé cette vie occidentale pour être avec un pagne, sans argent, et mendier même. Ils ne comprenaient pas, ils nous prenaient pour des fois pour des fous. Pourquoi on va délaisser cette vie ? C'est parce que la vie spirituelle donne un tel bonheur. Personne ne peut délaisser quelque chose de supérieur pour aller vers quelque chose d'inférieur. Personne. Ce n'est pas possible. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas goûté. Mais si on goûte, naturellement, on ne regardera même pas en arrière ce qu'on a délaissé. C'est juste une expérience. C'est pour ça qu'on doit avoir l'expérience. La vie spirituelle, ça veut dire expérience. Et l'expérience, elle peut être réalisée si on pratique avec foi. Sans foi, il n'y a pas d'expérience. C'est ce qui diffère entre une personne qui atteint l'illumination et une personne qui reste éteinte. C'est la foi. Parce que le Seigneur réciproque avec la foi. Donc en ce moment, il est un peu parlanté. La foi qu'on a, l'expérience qu'on a, elle vient de nos vies passées. Elle vient de l'association qu'on a. On dit en France, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est pourquoi, naturellement, on doit aller dans les lieux saints. On doit visiter des sadhus. Avec l'humilité. Pas avec hypocrisie. Et en leur posant des questions à notre niveau. Par rapport à ce qu'on est. Un véritable sadhu, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire « t'as complètement tout raté. Ta vie est nulle. » Il va simplement donner des conseils à une personne pour améliorer son existence spirituelle. C'est tout. C'est ça un sadhu. Un sadhu, il voit la conscience de l'être et il lui donne un conseil pour évoluer. Et lorsqu'une personne évolue, le Seigneur réciproque. Donc le goût vient. C'est comme un escalier, quand on met un pied sur une marche plus haute et on met un deuxième pied, on ne revient pas en arrière dans la vie spirituelle. Parce qu'un acquis est un acquis. Quand il y a un goût supérieur, vous ne revenez pas à un goût inférieur, vous comprenez ? Donc le conseil d'un sadhu, c'est simplement apprendre à une personne comment engager ses tendances. Et quand ces tendances sont vraiment pleinement engagées, à ce moment-là, il y a une purification à l'intérieur, il y a une destruction du karma, des activités passées, et une personne peut se libérer et comprendre et voir, réaliser qu'elle est l'âme, pas le corps. On prend l'exemple d'une noix de coco. Quand elle devient rassie, la coque se détache. La chair se détache avec la coque. Et bien, de la même manière, au fur et à mesure qu'on va pratiquer la vie spirituelle, on va se détacher en fait, de la conception illusoire matérielle. Et on va faire la même activité, mais en pleine conscience. Parce qu'il faut faire quelque chose. Krishna a dit à Arjuna, tu ne peux pas rester sans agir. Arjuna, il voulait quitter le champ de bataille, abandonner le champ de bataille. Krishna, lui, t'étais un sot. Il n'y a que les sots qui parlent comme ça. Tu dois faire ton devoir. Ton devoir, c'est de protéger les vertueux. Tu ne peux pas.
Donc un chef de famille, son devoir, c'est de maintenir sa famille, par exemple. Mais avec conscience. Et une fois que Arjuna il a compris ça, il a agi. Et ça, et c'est devenu, son, l'enseignement est devenu parfait. Parce que la pratique est devenue parfaite. Merci beaucoup.